Bonjour à tous et bienvenue dans l'atelier Cédric de 17 à 18 en parlant du 19. Aujourd'hui, on va parler réseau et en particulier réseau des musiques actuelles en Ile-de-France avec le RIF et Thierry Duval qui va nous en parler en détail. Nous allons aussi parler du site infomusicien.org que vous devez connaître. En attendant, je vous rappelle donc les règles pour pouvoir profiter entièrement de ce live. Le premier, si vous voulez retrouver tous les lives, vous avez ici donc la jolie petite playlist YouTube, bit.ly/de17 à 18, toutes les rencontres dans l'ordre donc décroissant. Thierry sera donc le dernier invité de cette playlist aujourd'hui. Si vous aimez ce que je fais, oui, vous avez le droit. Tipeee avec 3e.com/l'atelier de Cédric. N'hésitez pas, c'est ma page à moi. Et puis, c'est le moment aussi de remercier mes gentils tipeurs, Morgane, Mathéo, Sandrine, Fabien, Sébastien, Guylaine et Bench Bay. Je suis un peu de speed sur l'intro, mais comme on a tellement de choses à dire que sans plus attendre, je vous présente notre invité du jour, Thierry Duval. Salut Thierry! Salut Cédric, Tu vas comment bien? allez-vous? Eh bien, Oh, écoute, ça va, je vais. merci. Et toi? On se tutoie, on se vous voit, je sais pas d'ailleurs. Oh, ben écoute, on peut se tutoyer, ça ne dérange pas. Oh non, ça me dérange pas trop. À Hein. moins qu'il y ait un Allez. protocole particulier en cas de crise Ah oh, sanitaire. oui, en live Facebook, je te raconte pas. On met les petits plats dans les grands, etc., etc. Hein. Alors, ben écoute, merci d'avoir accepté l'invitation. Donc toi, tu es à l'Action culturelle au RIF, réseau de musique actuelle en Île-de-France. Est-ce que tu peux nous décrire en quelques mots justement l'action culturelle du RIF? Donc le RIF, Réseau Île-de-France, est l'organisation qui rassemble à peu près 150 structures dites de musiques actuelles en Île-de-France, qui sont aussi bien des salles de concert, des festivals, des structures de répétition, d'accompagnement, des écoles, des radios, un peu tous les acteurs qui se retrouvent qui se reconnaissent en tout cas dans nos valeurs. Et donc cette mise en réseau, elle est ancienne déjà, mais depuis 3 ans, on a une totale refonte et reconfiguration de ce réseau. Pour essayer de travailler ensemble sur un petit peu la manière dont s'organise l'activité musicale et ses évolutions, notamment à travers toutes nos différences, en essayant d'être le plus solidaire possible, le plus ouvert sur toutes les diversités de pratiques musicales qu'on rencontre sur les territoires, hein, et en défendant des principes autour du développement durable, de la parité, ce qu'on appelle les droits culturels, etc. Donc aussi bien les pratiques musicales. On va dire professionnels, mais aussi et surtout tous les gens qui font ça pour le plaisir, là où ils sont, quoi. Donc, si Alors, tu veux, je peux. Oui, pardon. effectivement, alors j'ai essayé dans la section adhérent, mais apparemment, il veut pas. Mais voilà, j'ai dû me planter d'un truc C'est une page en où. construction, la page adhérent sur le RIF. Ah, ok, d'accord. On va s'y mettre. Mais sinon, normalement, on voit toutes les structures, donc les Voilà. 150. Tu peux en citer quelques-unes, peut-être? Bah, Au choix, hein. ouais, non, enfin, bon, après, on va avoir les lieux qui ont le plus d'audience par leur programmation, donc qui vont être des lieux labellisés scènes de musique actuelle, comme la Clé à Saint-Germain, Ouais. comme le plan Henri-Sorangis, l'Empreinte et Filset dans le 77. On va avoir l'EMB, le Forum Saint-Noir. Mémorial dans le 95. Voilà, dans le 93, on va avoir Canal B, Canal B, pardon. Canal Canal 93, 93. Ouais. voilà, excusez-moi. Non, je t'en prie. Voilà, alors par contre, on n'a pas forcément beaucoup d'adhérents sur Paris même, parce que donc il y a un réseau parisien qui s'appelle le MAP, Musique Actuelle à Paris, qui est totalement sur d'autres lignes que nous et avec qui on travaille factuellement, notamment pour la Girafe qui a lieu vendredi à Fleury-Goutte d'Or, mais qui a voilà, sa propre indépendance. En attendant, on a quelques lieux qui font partie du réseau sur Paris, comme Petit Bain ou la Nouvelle Athènes dans le 9e arrondissement, ou l'espace GEMAP, voilà. Et tout ça est en évolution. Alors c'est ça que je comprends pas trop sur au niveau des SMAC, donc les SMAC scènes de musique actuelle, donc avec bon on en reparlera plus en détail avec toutes les missions qui sont d'accompagnement, notamment des artistes locaux, etc. Mais alors à Paris, donc il n'y a pas de SMAC. Alors à Paris, il n'y a pas de SMAC, parce que Paris, c'est quand même particulier, hein. Paris, c'est Paris. Quelle drôle de Il y a ville! un projet quand même de SMAC qui a été porté longtemps sur 3 structures qui étaient Fleury-Goutte d'Or, le Centre Petit Barbara, Bain. voilà, Petit Bain et les Trois Trois Baudets, Baudets. et qui n'a pas forcément abouti parce que c'est aussi 3 structures qui ont leur propre identité et leur propre gouvernance très différente.
Donc voilà, après Paris, c'est quand même une situation particulière qui liée au phénomène de la capitale, d'un public aussi très particulier, de beaucoup d'initiatives privées, commerciales, etc. Donc peut-être que le besoin d'un lieu phare de politique publique se fait moins sentir que dans les départements de banlieue. Au jour Donc, du d'aujourd'hui, c'est coup, surtout. Oui, pardon. oui, pardon, non, c'est moi. Il y a un Non, effet c'est un bien. peu, tu sais, talkie-walkie, hein, avec parfois, on n'a pas le son en temps réel. Non, ce que je voulais, parce que je partage en même temps les liens, donc j'ai mis le lien du RIF, il y a aussi le lien du réseau map. Donc, le réseau map n'est pas dans la même. Vous pouvez collaborer, mais ce n'est pas la même chose. Hein. Le réseau MAP a fait partie du RIF pendant un certain temps, mais lorsqu'on a décidé il y a 4 ans de reconfigurer le réseau et surtout de fusionner tous les réseaux départementaux en un seul réseau régional, le MAP ne s'est pas retrouvé dans cette démarche. Pour garder son autonomie, a décidé de rester le MAP, le réseau parisien. C'est la raison pour laquelle on n'est pas dans la même entité, en quelque sorte, ce qui ne nous empêche pas ponctuellement sur des actions où on a des objectifs qui se retrouvent, de travailler ensemble et de partager des infos, etc., etc. Voilà, c'est D'accord, mais tout. en tout cas pour les artistes parisiens, donc et les structures parisiennes, plutôt le MAP, et pour tout ce qui est entre guillemets banlieue, hein, je veux pas qu'on me jette des pierres, mais en tous les cas périphérie, on va dire, c'est le RIF. Alors, j'aurais tendance à dire plutôt les deux, pour les deux. C'est-à-dire que les artistes qui sont à Paris ont intérêt à contacter aussi bien le RIF que le MAP. A Ah, fortiori ok. parce qu'ils sont sur Paris, mais je pense que les artistes qui sont dans les départements dits de banlieue ont aussi intérêt à contacter le MAP Ok. pour reconnaître un petit peu les possibilités par rapport à leur projet et notamment de se rendre à cette fameuse journée de la girafe là, ce vendredi 11 septembre après-midi à Fleury-Goutte-d'Or, donc dans le 18e arrondissement. Absolument. Effectivement, la girafe, je suis en train d'essayer de retrouver les infos. Donc, alors, j'ai montré le site du RIF, mais ce que tu m'as dit un peu avant qu'on démarre, c'est qu'il y a un site qui est plus adapté pour les artistes. C'est le site infomusicien.org qui est actuellement en refonte aussi, tu m'as dit. Donc, mais je vais sortir ça tout de suite. Je vais mettre le lien aussi. Donc, c'est un site sur lequel on a quoi alors exactement? Alors en fait, ce site a surtout, c'est une interface pour nous communiquer vers les musiciens. Donc on invite les musiciens à se faire référencer sur ce site, et ce qui leur permet ensuite de recevoir la newsletter qu'on envoie à peu près tous les mois, voire même plus par moment, avec l'actualité des propositions en direction des artistes. Donc Mais ça la peut être des girafe, masses. justement. Voilà. Tout ce qui est d'ordre pédagogique, ça peut être des rencontres comme la girafe, des tremplins, des masterclass, etc., etc. Comme ça peut être aussi des offres plus tournées vers la diffusion à travers des tremplins notamment. Voilà, donc en gros, il y a aussi des fiches pratiques sur un certain nombre de sujets. Il y a la possibilité aussi via cette plateforme de prendre des rendez-vous personnalisés avec des membres de l'équipe du RIF, OK. souvent Nicolas Acquaviva ou moi-même d'ailleurs, pour avoir un point de vue, un feedback un petit peu par rapport au projet spécifique de chaque artiste. Donc c'est quand même pour nous le point de rendez-vous entre les artistes, musiciens franciliens et nous, les RIF. Donc c'est ça, hein. Donc effectivement, donc là c'est le centre d'information conseil près de chez vous Voilà. avec effectivement Île-de-France, Val-d'Oise, Seine-et-Marne, Seine-Saint-Denis. Donc il y a des contacts différents en fonction des départements. Voilà, c'est ça. C'est OK. exactement ça. Et donc tu m'as dit il va être en refonte, c'est-à-dire qu'est-ce que vous allez refaire sur ce En site? fait, il y a plusieurs aspects qu'on va retravailler. Notamment, on va y rajouter une cartographie de manière à ce que les gens puissent identifier avec des systèmes de filtres les différents adhérents du réseau du RIF et peut-être même au-delà des adhérents, les propositions qui existent en matière alors soit de diffusion, d'enregistrement, de répétition, mais aussi tous les nouveaux services liés à la musique en ligne qui peuvent être utiles pardon, en termes de community management, de création, de clips, etc. Donc d'un côté, il y a cette volonté d'avoir un outil accessible et facile d'usage, j'ai envie de dire, et aussi peut-être d'avoir des possibilités d'avoir des feedbacks de la part des artistes et des musiciens qui peuvent aussi avoir, eux, des choses à partager, et donc d'avoir une interaction avec nous. Vous voyez qu'on ne soit pas simplement dans un système un peu descendant où nous, on envoie des infos, mais aussi où les artistes, les musiciens peuvent qualifier certains Alimenter. projets, faire des feedbacks et faire des propositions, notamment sur les sujets, parce qu'on travaille beaucoup sur la formation permanente, la formation continue des artistes, et il y a un gros besoin de mise à jour sur plein de sujets, et il peut y avoir des demandes
qui proviennent des artistes eux-mêmes en disant, voilà, on aimerait bien avoir un petit topo sur comment évolue justement dans le cadre du streaming, la question des droits d'auteur, du live streaming, je veux dire, etc. Vous voyez, ce genre de sujet. Quoi. Voilà. Un petit coucou de Pablo. Merci Pablo. Merci beaucoup. Qui connaît donc salut à la clé, lieu génial à côté duquel j'habite. Bah, écoute, Mathéo, bah, salut. Suis, justement. Ah bah c'est ok, oui, c'est ça. Ben voilà, donc en direct de la clé, il y a pas mieux. Ouais. Sur ce qui se passe en ce moment en termes, j'imagine, de, comment dirais-je, pour être le plus neutre possible, de configuration live, justement, vous avez des réflexions particulières aussi, j'imagine, sur la reprise, entre guillemets, des concerts. Oui, bien sûr, parce que donc nous, on est tout à fait les victimes un petit peu de, comment dirais-je, d'une non-prise en compte de nos activités, puisque les concerts debout sont toujours interdits. Hein, on ne peut pas faire de concert autrement qu'assis. Et donc, du coup, comme l'essentiel de nos salles sont des petits lieux de jauge, on va dire entre 250 et 500, à part quelques exceptions, mais c'est plutôt la norme. Voilà, et debout, et donc du coup, on est très embêté par le fait de ne pas pouvoir faire ces concerts. Donc, certains s'adaptent en faisant des concerts assis. Et d'un autre côté, font des propositions de concerts en live streaming. Il y en a eu quelques-unes avant l'été, pendant l'été, et là, il va y en avoir aussi à la rentrée. Donc là aussi, c'est des propositions qu'on fera connaître à travers le site infomusicien.org et avec le site du RIF également. Nous, on doit partager toutes ces initiatives dans un grand rendez-vous du RIF qui aura lieu fin octobre, 21, 22, 23 octobre, pour faire un petit peu le point sur toutes ces initiatives. Donc, il y a, en matière de live streaming, il y a des concerts qui sont et qui seront proposés, mais il y a aussi des actions pédagogiques qui sont faites, où on demande à des artistes de produire des vidéos pour aussi alimenter tous les projets pédagogiques d'action culturelle, justement, qui sont menés notamment vers le milieu scolaire. Donc, on est en plein dans ces questionnements-là, avec ce que ça veut dire comme difficulté de trouver des moyens de production audio-vidéo de qualité, les droits d'auteur en matière de live streaming, ce qui n'est pas simple tout le temps. Et surtout, l'enjeu pour nous, c'est la rémunération des artistes, puisque ne pouvant pas exercer leur concert, en tout cas leur travail sur scène depuis 3, 4, 5 ou 6 mois, eh bien, il faut bien qu'ils trouvent d'autres sources, et ça en fait partie pour eux. Donc, on est tout à fait conscient et solidaire de ça. Bon, là, mine de rien, il y a quand même des choses qui reprennent. Je vois effectivement que... Il y a la girafe, évidemment. Il y a les ondes sonores, le tremplin. Il se passe quand même, bon, alors évidemment, dispositif d'accompagnement backstage. Oui. Donc toutes ces, il y a pas mal de choses quand même qui se maintiennent, qui arrivent à quand même. Oui, il y a des choses qui se maintiennent. Perdurer, je dirais. Voilà. On va dire qu'on arrive avec des effectifs un peu moins importants, mais par exemple, au niveau de la répétition musicale, les lieux commencent à réouvrir avec une amplitude un peu moins importante, mais ils commencent à réouvrir. Et puis, en fait, tous ces dispositifs comme Backstage ou d'autres continuent d'exister, puisque là, il s'agit d'aider et de soutenir le parcours d'artistes choisis sur leur territoire à travers des propositions de résidence. Donc voilà, c'est toujours possible de faire des résidences, des actions pédagogiques, du coaching, tout ce qui est formation sur l'environnement du métier, etc. Donc ça, c'est des choses qui sont possibles aujourd'hui. Donc tout ce qui est autour de l'accompagnement des artistes, ça va continuer d'exister. Et, par contre, peut-être qu'aujourd'hui, on a des demandes un petit peu nouvelles du fait du contexte. Je dirais qu'en ce moment, si on avait peut-être un conseil à donner aux artistes, c'est le moment pour être accompagné, formé et travailler son répertoire et pour redémarrer quand tout sera un peu rétabli, c'est ça hein. Ouais, c'est ça entre autres, mais je pense que je conseille pas mal les artistes aussi de profiter de cette période pour imaginer aussi les endroits où ils peuvent être diffusés en dehors des lieux institués. Ouais. Il y a une grosse demande du public pour voir des concerts et on a eu des expériences, alors en petite jauge, hein, c'est, voilà, sur des lieux en extérieur hein, principalement, bien entendu, qui étaient assez intéressantes. Et du coup, je pense que pour les artistes, c'est aussi l'occasion d'étudier ces propositions, peut-être pour certains de produire directement des concerts dans des lieux inhabituels pour à minima se faire connaître, vivre, continuer de faire des concerts et économiquement pouvoir trouver aussi des solutions, quoi, hein, puisque c'est aussi l'enjeu pour eux, en tout cas pour une grande partie. On a nos amis de La Réunion. Salut Sandrine, ça faisait longtemps. Donc chez eux, c'est l'heure de l'apéro. Hein. Effectivement, alors sur les SMAC, moi je suis toujours étonné de voir que les artistes soit ne savent pas, soit ne connaissent pas leur SMAC. Est-ce que tu fais ce constat aussi ou pas En fait, soit ils connaissent ou ils connaissent de loin, en fait. Hein, effectivement, ouais, voilà. Le problème qu'on a à faire face, c'est que
On va dire qu'en l'espace de 15 ans, il y a eu une raréfaction des lieux de diffusion régulière. Si je prends l'exemple des Yvelines, que je connais très bien, il y a 15 ans, il y avait trois fois plus de lieux pour faire des concerts. Et pour plein de raisons, il y en a trois fois moins. Par contre, on connaît les raisons, ou en gros, ou c'est économique, j'imagine, c'est des budgets. Non, c'est politique. Et c'est aussi lié au fait que, pour des questions notamment de nuisance sonore, il y a tout un tas de lieux qui ont dû arrêter, notamment les cafés-concerts, qui représentaient une scène assez importante. Il y a des lieux qu'on fermait parce qu'il y a une volonté politique de les fermer. Voilà. Et donc, on sait qu'économiquement, en banlieue, en tout cas, c'est une activité qui n'est pas rentable. Donc, il n'y a pas véritablement beaucoup d'entreprises, je dirais, privées, d'initiatives privées sur la diffusion. Donc, d'un côté, il y a ça. Et par contre, il y a beaucoup plus qu'il y a 15 ans de projets artistiques de qualité qui cherchent à être diffusés. Donc, si vous voulez, il y a une asymétrie qui ne fait que croître entre l'offre et la demande. Ce qui fait qu'effectivement, c'est très difficile de se faire identifier pour un artiste auprès d'une SMAC. Et en plus, il y a ce que j'appelle l'illusion d'Internet. C'est-à-dire que c'est très facile de choper plein de mails et d'envoyer très largement des outils promotionnels, sauf que de l'autre côté, les gens, ils en reçoivent autant. Et donc, il n'y a aucun feedback, on est noyé dans la masse. D'où l'importance d'avoir des vraies stratégies de communication. Et ce que je recommande aux artistes, c'est d'aller voir les gens dans les salles, lors des concerts, pour essayer de nouer un contact présentiel, réel, physique, et qui peut donner lieu derrière à quelque chose, et peut-être une relation, un échange. Mais en tout cas, le mail ne suffit plus et ne suffit pas pour se faire identifier auprès des professionnels de la diffusion, qui eux-mêmes sont noyés dans la masse des demandes. Donc, il faut profiter de la proximité pour se déplacer, aller voir des concerts et discuter avec les gens dans les lieux qui peuvent être séduits, intéressés pour vous connaître un peu mieux, pour vous proposer des choses. Mais c'est la meilleure façon aujourd'hui d'entrer en contact. Alors effectivement, c'est ce que Didier Veillot, que tu dois connaître de la coopérative de mai, nous disait. Effectivement, c'est que c'est à l'ancienne. Hein, c'est que les SMAC, bon déjà c'est local, donc il faut en profiter. Et puis lui, ce qu'il aime effectivement, c'est les jeunes qui se déplacent, les jeunes groupes qui viennent se faire identifier après éventuellement avoir envoyé un mail pour qu'il ait au moins des liens ou des choses comme ça. Et puis d'aller les rencontrer et puis à l'ancienne hein, quoi en fait. Mais en tout cas, les SMAC, c'est très important, notamment pour le réseau, puisque ce sont non seulement des accompagnateurs, mais aussi des gens qui ont un réseau. Il y a les antennes, ils sont parfois antennes aux Inouïs du Printemps de Bourges, ils connaissent des éditeurs, des labels, etc. etc. Donc, c'est un vrai premier pas. Hein. Alors, il y a les SMAC, ce sont des lieux labellisés, on dit SMAC, mais c'est un label du ministère de la Culture. Il y a 9 lieux labellisés en Ile-de-France, ce qui n'est pas beaucoup, mais il y a plein d'autres lieux qui ne sont pas labellisés. Hein. Si vous voulez, si on prenait la liste des lieux qui font de la diffusion à peu près régulière, il y en a 4 fois plus que des SMAC, en fait. Hein. Ça veut dire qu'il y a 25, 20, 30 lieux en banlieue qui sont importants de connaître, en fait, pour les artistes. Et je rajouterais là-dessus les festivals, puisque en parallèle, il y a eu quand même… Alors, il y a des grosses machines qu'on connaît en Ile-de-France, mais dont l'avenir est incertain. Par contre, il y a plein de petits festivals locaux qui sont très intéressants, qui ont des vraies dynamiques très positives, qui ont des relations avec les groupes qui sont vraiment très intéressantes et qui permettent de jouer déjà devant plusieurs centaines de personnes. Et ça, c'est tout à fait intéressant pour les groupes de les connaître, ces festivals. Donc, il y en a 3 ou 4 qui existent par département. Là aussi, ça fait partie de notre métier de les faire connaître aux artistes dans les rendez-vous qu'on a avec eux et de savoir à qui s'adresser, comment faire. Mais là, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se contenter d'envoyer des mails et des relances comme ça, basiques. Il faut vraiment associer la démarche à un rendez-vous, à se déplacer, aller voir, etc. Il faut être curieux. Il faut savoir aussi, ça c'est important, tu l'as dit un petit peu, mais c'est que comme on est en travail en réseau, les gens, les professionnels discutent beaucoup entre eux. On a mis en place au niveau du RIF ce qu'on appelle des comités artistiques, c'est-à-dire que régulièrement, les programmateurs des différentes salles et des festivals se rencontrent par bassin géographique et discutent des groupes qu'ils ont entendus, qu'ils ont repérés, qu'ils accompagnent, etc. Donc, sachant ça, c'est important de l'intégrer dans sa stratégie, que les gens parlent entre eux. Donc, d'où l'intérêt de se faire identifier auprès de 2 ou 3 acteurs du réseau, dans des endroits différents, etc. etc. Lionel, dis tout mon soutien, Thierry. Ah, Lionel. Merci, mon Lionel. Mais effectivement, ce que tu dis, c'est que en termes de live, et à chaque fois que je discute avec des gens de live, c'est ce que j'entends, mais il y a un côté plus… plus classique en fait hein, dans le relationnel hein. C'est vrai qu'on a tendance à bombarder les labels et les éditeurs de mails etc et puis d'attendre qu'on ait un retour. En live, il faut être assez proactif hein, c'est ça?
Oui, bah, de toute façon, après, il y a une stratégie qui est un peu, moi, je l'appelle un peu triangulaire. C'est entre les programmateurs, ils ont un regard attentif sur l'audience publique des groupes, des artistes, hein, puisque c'est aussi important de faire jouer les artistes devant des gens. Donc, il faut à la fois soigner sa communication vis-à-vis de ses fans. Et un artiste qui a une vraie relation qualitative avec son public, avec ses fans, avec des outils de communication mis à jour régulièrement, toute cette stratégie-là a plus de chances d'intéresser un programmateur, indépendamment de la qualité de son projet artistique, parce qu'on voit que derrière, il y a une stratégie vis-à-vis du public potentiel. Et c'est pour ça qu'il faut que les artistes, ils aient au moins ces deux focus en permanence, les professionnels de la diffusion dans les endroits où c'est important pour eux de jouer en Ile-de-France, et en même temps leur public, en montrant qu'effectivement, il y a du suivi, il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui suivent, qui apprécient. Etc. C'est vrai qu'il y a une production, je dirais, de contenu au niveau artistique qui soit à peu près régulière. Après, la stratégie vis-à-vis de la musique enregistrée, bah, c'est très, très, très différent suivant les esthétiques musicales. On ne travaille pas de la même façon. Après, il y a tout le travail avec les médias, avec la presse. Alors, ça, c'est pareil, c'est extrêmement varié. Mais je dirais qu'à vue de nez, comme ça, hein, on ne peut pas généraliser, mais il faut pas, c'est inutile pour un artiste de dépenser des fortunes en communication média s'il n'y a rien derrière au niveau de l'actualité scène, quoi. Clairement. C'est des dépenses qui font rien retomber, en fait. Et voilà. Donc, il faut connaître un petit peu par rapport à son niveau de développement, voyez, la stratégie qui va être la plus appropriée sur le moyen terme, quoi, en fait. C'est la raison pour Un laquelle on bonjour pense. de Toulouse à Monsieur Duval. Ah, Eric. Bah, je lui fais un gros Ah, bisou, Eric. On s'est vu il n'y a pas longtemps. tu l'as dénoncé du coup, Ouais, parce qu'il avait un pseudo. mais il aime bien qu'on le dénonce. Oui, non, mais c'est intéressant ce que tu dis parce que du coup, ça veut dire que il faut pas négliger non plus quand même la carte de visite digitale, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, ce que tu dis, c'est qu'on va voir les programmateurs, mais on leur a éventuellement envoyé un lien et des sons à écouter. Et quand le mec il va Absolument. voir tout ça, il se dit ah ouais, tiens, il y a quand même un joli travail qui est fait en amont. Donc moi, ça me rassure pour le programmer et l'accompagner, quoi. Hein, c'est ça. Moi, ce que je recommande, effectivement, c'est d'envoyer ce qu'on appelle effectivement une carte de visite, c'est-à-dire un mail avec la présentation. Alors, toujours un mail personnalisé, hein. C'est évident. Alors, il faut se renseigner sur le turnover dans les salles, hein, ça peut changer au niveau de la prog, au niveau des contacts. Donc, ça, il faut se tenir informé. Il n'y a rien de pire que quand tu s'appelles Jean-Claude de recevoir Bonjour Stéphane, par exemple. Donc, des mails personnalisés, carte de visite, des liens pour écouter, voir, comprendre un peu le projet. Et puis après, un petit topo spécifique à la salle ou au lieu pour montrer qu'on s'intéresse. C'est-à-dire, vous avez programmé ça, nous on fait ça, etc. Vous avez ça en projet, etc. J'ai vu que je vais venir à telle rencontre que vous organisez parce que ceci, cela. Et en disant qu'on va transformer cette carte, enfin, à partir de cette carte de visite, on va venir vous voir, on n'attend pas que vous nous répondiez. Parce que les gens, ils répondront jamais. Par contre, les professionnels, ils vont classer. Ils vont classer le mail en disant, voilà, s'il y a un signe de vie de cet artiste, je sais où le retrouver et je pourrais me renseigner sur ce qu'il fait musicalement. Mais vous voyez, vu Ok, la ça. somme de mails qu'ils reçoivent, qui de 80 à 100 par jour, enfin, ou 50 à 100 suivant la notoriété, il ne faut pas imaginer que les gens ils vous répondent. Effectivement, Lionel dit bonjour Vincent Duval. Pourquoi on t'appelle souvent Vincent, peut-être? Bon, c'est l'humour de Lionel, ça, je Ah, pense. d'accord, ok, bon, très Un bien, peu alors on lui laisse. screwball. Très bien, très bien, très bien. Mais effectivement, non, mais il y a plein de super conseils, effectivement, sur la façon de contacter, qu'on répète souvent, mais qui d'ailleurs sont pas souvent, respectés. Mais c'est vrai que ce que tu dis de personnaliser un max, et puis alors de ne pas attendre de réponse, c'est ça? Oui, c'est-à-dire qu'en fait, alors, il y a une énorme frustration des artistes, hein, c'est normal, un découragement, parce qu'en fait, on va dire qu'ils font bien tout comme il faut. On leur dit faire ça, ils font ça, mais ils n'ont pas de retour, ils n'ont pas de feedback. Enfin, oui, c'est assez. Parce qu'il y a ce déséquilibre dont je parlais tout à l'heure. Donc, il faut quand même le faire de manière assez méthodique et pas se décourager. Il faut fréquenter des lieux de vie musicale parce que je pense qu'en tant qu'artiste, aller voir des artistes, discuter avec eux, même si ça donne, enfin, dans une salle, c'est toujours intéressant. On ne sait jamais qui on va croiser. On peut croiser, tiens, le mec qui bosse qui est tourneur à côté, qui est venu voir le groupe, et puis on engage une discussion. Donc, il faut avoir ce talent, je dirais, de la communication et de la relation facile aussi, hein. Ce n'est pas toujours simple quand on est un artiste. Mais ça fait partie quand même de là où il faut un Job. peu travailler je dirais, sa relation. C'est important, donc fréquenter de manière assidue les lieux de vue musicale. Nous, le RIF, on a des propositions à peu près tous les mois, au moins de rencontres, ce qu'on appelle des forums musiciens, cette connexion dans Seine-et-Marne. Là, il y a le D-Day le samedi 26 septembre
à Visage du Monde à Cergy Pontoise. Tout ça, voilà, ça sera Info Musicien, hein, de toute façon, hein, c'est ouais, ça. Oui, tout ça va être sur Info Musicien, n'hésitez pas. Mais vous voyez, c'est des rendez-vous. Là, il faut les fréquenter parce qu'en fait, l'artiste, il a besoin de créer du réseau. Il a besoin de rencontrer des professionnels qui, derrière, peuvent générer une actualité ou du moins une proposition, quelle qu'elle soit. Voilà, c'est comme ça qu'il faut occuper un petit peu son temps et éviter la frustration de ne pas avoir des réponses fermes et définitives des programmateurs. Après, quand ça vient, bah, ça vient. Et c'est voilà. Et après, c'est comme ça que les carrières se développent. Mais il faut bien voir que par rapport au nombre de dates disponibles de programmation dans les salles, une fois qu'on a enlevé les têtes d'affiches nationales ou internationales, par rapport au nombre de salles, ça fait très peu au regard du nombre d'artistes qui, en Ile-de-France, ont des projets de qualité, produisent des choses d'excellente facture, très jeunes même. Et donc, du coup, voilà, il faut savoir dans quel contexte on travaille. Alors, j'encourage aussi les artistes, ça fait des sujets qu'on évoque avec certains d'entre eux souvent, c'est aussi peut-être monter des projets eux-mêmes à plusieurs. Éviter l'isolement en agissant de manière un peu plus solidaire, en montant des collectifs, en organisant des choses. Je vous donne un exemple très concret. Pendant cet été, suite au confinement, il y a plusieurs institutions, collectivités publiques qui ont lancé des appels d'offres à des artistes pour produire des concerts pendant l'été ou tout un truc. Là, si vous êtes organisé, structuré, vous aviez la possibilité d'avoir vraiment des financements pour monter des choses très intéressantes. Mais ça, il faut le savoir, il faut s'organiser, il faut être proactif. Et il faut sortir peut-être des sentiers battus aussi. Voilà. Mais c'est vrai qu'on est loin de la joie et du travail de la création artistique elle-même, hein, malheureusement. Eh oui, mais ça ne suffit pas aujourd'hui, malheureusement. Enfin, je ne sais pas si ça a déjà suffi un jour, d'ailleurs, mais effectivement… Avant, si, parce que, enfin, je dirais, ouais. Avant, il y avait ce qu'on appelait des producteurs mécènes, quoi. Ouais. Il y avait des gens qui flashaient sur des artistes et qui mettaient de l'argent en se disant « ce truc-là, je vais en faire une célébrité ». Bon, aujourd'hui, okay. C'est un peu pas comme ça que ça marche. Hein. Et petite parenthèse d'ailleurs, parce que là, effectivement, bon, le RIF est extrêmement développé et actif, je dirais. Comment ça se passe quand on n'est pas justement en Ile-de-France ? Pour les artistes ? Ouais. Ah ben, il n'y a pas de souci. Alors, les artistes, ils ont évidemment accès à notre plateforme Internet parce qu'elle est Internet. Hein. Non, mais je veux dire, il y a des réseaux en région, évidemment. Ah oui, pardon, excuse-moi. Il y a l'équivalent du RIF dans toutes les régions françaises. Dans les 13 régions françaises, il y a l'équivalent du RIF. Alors, on va dire, c'est pas forcément exactement la même chose, mais c'est la même. Ce sont des réseaux régionaux qui proposent vis-à-vis des musiciens des choses qui sont assez proche de ce qu'on fait, mais avec des nuances. Mais en tout cas, voilà, chacun a son propre programme d'action. Hein. On n'est pas du tout sous la même tutelle, mais on va dire qu'il y a des similitudes. Il y a des personnes clés qui font le boulot que je fais avec mes collègues au niveau de l'équipe. Donc, je vous invite tous les artistes, effectivement, à aller à la rencontre et de prendre connaissance avec ces réseaux. Vous les trouverez sur un site qui s'appelle Coopération Territoriale Musique Actuelle, de mémoire. Enfin, vous tapez ces mots-clés sur Google et vous aurez la... Vous en général, c'est ce dossier, voilà, l'épaule. Ouais, voilà. Ouais. Ouais, c'est ce que je donne à chaque fois aux artistes. Ouais. Voilà. En creusant là-dessus, alors c'est pas toujours mis à jour au niveau des contacts, mais par contre, vous avez les sites des réseaux. Puis après, il faut être malin, quoi. Il faut appeler, il faut creuser. C'est à jour de 2018, ce qui n'est pas non plus l'ère préhistorique, mais en tout cas, les réseaux sont toujours là, enfin la plupart, hein, parce qu'il y en a des grands bureaux. En fait, ça a été constitué, ce site, à un moment où il y avait une grosse concertation entre les réseaux qui existe toujours, mais du coup, effectivement, il n'y a pas forcément des gens derrière qui mettent à jour. Mais vous avez une base de travail, de toute façon, qui est importante. Après, moi, je recommande toujours à chaque artiste de se faire ses propres bases de données. Ouais. Parce que tout est vite périmé, caduque, donc il faut se constituer sa propre base de données. Et là, à travers cette première entrée, vous pouvez quand même identifier les personnes clés dans les réseaux, les lieux, les salles, etc., les dirigeants, et vous informer sur qu'est-ce qu'ils proposent pour les artistes. Parce que, par exemple, moi, je donne souvent cet exemple pour un artiste situé en Ile-de-France et en banlieue notamment. C'est peut-être des fois plus intéressant d'aller jouer dans une ville territorialement sur la région voisine, vous voyez, plutôt que de chercher à tout prix à jouer à Paris. Exemple, des villes comme Orléans, Rouen... Reims, Chartres même, même s'il n'y a pas grand-chose à Chartres, ou dans le nord de la France, c'est plus intéressant d'aller voir les salles qui sont dans ces villes pour trouver des concerts que de chercher à tout prix à trouver la date parisienne, qui ne représente certainement pas plus, en tout cas, le prestige d'antan. Ouais, c'est clair, hein, ça vous coûte cher. Non, c'est plus du tout. C'est bien pour faire un showcase, pour inviter des tourneurs et des labels parisiens, je dirais, ou des éditeurs.
Mais c'est vrai que il y a quand même une croissance organique en région qui peut se faire et qui peut être déjà super efficace et surtout plus accessible, quoi, plus réaliste. Vaut mieux faire un truc sympa en campagne et louer un van pour faire amener les gens de Paris, tu vois, sur un truc un peu. J'en sais rien, mais je suis pas Ouais, il y a convaincu plein de. que je showcase pas. À moins que vous ayez déjà le groupe sur qui il y a le buzz et que les gens ont envie de voir, en fait. Voilà. Ça J'ai dépend mis si le je vous lien en laisse. tout cas coopérationreseauterritoriaux.com, Voilà. effectivement, qui est super complet. Et bon, moi j'avais téléchargé le PDF déjà, donc j'avais tout, mais effectivement, vous pouvez retrouver les réseaux. Et à chaque fois, par réseau, effectivement, on a les adhérents aussi, la liste des adhérents, parce que c'est ça qui est important et qui permet de voilà de connaître à chaque fois les acteurs en fait de votre région, quoi. C'est ça, les acteurs de la région. Et en plus, il y a souvent comment dirais-je, des effets de solidarité qui peuvent se créer Ouais. entre des groupes de différentes régions où les gens s'invitent, produisent des événements ensemble, etc. Et ça se développe de plus en plus, ce qui permet de ne pas forcément chercher à être programmé à tout prix dans les SMAC quand on n'a pas forcément la notoriété nécessaire, etc. Mais ça se fait de plus en plus, quoi. Donc, c'est aussi, là, je reviens sur cet enjeu de la solidarité entre artistes de différentes régions qui se retrouvent sur des esthétiques, ou en tout cas sur des valeurs proches, de pouvoir s'inviter réciproquement, monter des soirées. Voilà. Et pour les professionnels, ce qu'il faut savoir pour terminer là-dessus, c'est que ça témoigne d'un vrai engagement. C'est-à-dire qu'au-delà d'envoyer des mails et de bombarder sur des infos, les groupes qui font ça veut dire qu'ils se bougent, ça veut dire qu'ils ont un vrai désir derrière. Un potentiel d'évolution, etc. Ça, c'est important comme témoignage. Lionel demande si c'est plus facile de gagner la finale régionale des Inouïs en province qu'à Paris, s'il y a moins de candidats. Là, je décline un peu la question parce que je ne suis pas un spécialiste des Inouïs. C'est pas Peux grave. demander à mes collègues. Non, mais c'est pas grave. En message personnel, je te répondrai, Lionel. Voilà, vous vous Après, je ne suis connaissez pas donc. trop. Ouais, c'est comment. Je ne saurais pas répondre à cette question vraiment, mais j'aurais plutôt tendance qu'à dire que potentiellement il y a beaucoup plus moins de candidats en région, a priori. Quoi qu'il en soit, de toute façon, quel que soit, je dirais, le secteur, le festival ou le tremplin, par définition, je pense qu'on est quand même un peu plus light en région, effectivement. Sur les réseaux, donc le RIF, ça réunit les réseaux d'Île-de-France. Donc il y a toujours des réseaux au milieu indépendants, hein. Enfin, indépendants, non, mais je veux dire, comment s'appelle-t-il, pince-oreille, toutes ces choses-là, où je parle comme si j'étais dans les années 80. Et ça a bougé, hein. C'est ce que j'expliquais en 2018. On a eu une fusion, c'est-à-dire que les réseaux départementaux que tu évoques ont disparu pour créer Ah le d'accord, RIF, ok. pour fusionner au sein du sauf trois. Ah, le combo. Alors voilà, le Combo 95 dans le Val d'Oise qui a gardé sa propre identité et le MAD 93 Ah, ok. Seine-Saint-Denis qui a gardé sa propre identité. Et ces réseaux sont associés au RIF, c'est-à-dire qu'on travaille ensemble C'est pour ça quand que je bien même comprenais qu'on pas, pourrait parce leur qu'en faire. fait, je voyais Eh plus oui, les autres, mais je voyais ces deux-là voilà. qui montraient toujours la tête hors de l'eau. Exactement. Et puis, on a parlé un petit peu au début, le MAP, donc Ouais. qui a gardé son identité Parisienne, parisienne. Voilà. effectivement. Et donc ça, c'est effectivement réseau Île-de-France. Oui, qu'est-ce que itinérance? Alors, Itinérance, c'était un dispositif qui permettait, qu'on a mis en place. Alors, je ne sais plus quand ça a débuté exactement. J'aurais tendance à dire début des années 2000. Et je me Ouais, tourne vers ma c'est collègue qui est en face de moi, ancien, qui est donc. très au fait de tout ça, qui pourrait vous répondre beaucoup mieux que moi. Mais début des années 2010, je crois, de mémoire. Mais enfin, le principe était Mais ça existe toujours ou ça n'existe plus du coup, Alors, tout a je vais venir fusionné? rapidement parce que Ouais, ça a ok. évolué. L'idée, c'était de permettre à des groupes d'un bout de l'Île-de-France d'être programmé à l'autre bout en étant rajouté dans un plateau sur un concert et dans ce cadre-là, le RIF prenait en charge la moitié du coût artistique pour aller vite. Vous voyez, donc l'idée c'était vraiment de permettre la circulation des groupes en Île-de-France et ça s'est développé avec des critères très accessibles en fait. En clair, à un moment donné, quand une salle programmait un groupe qui n'était pas du même département d'implantation que la salle, elle avait une aide du RIF pour financer les charges, enfin pas les charges, mais les Le salaires plateau, des quoi, artistes, le le coup plateau. plateau, ouais. Voilà. On a fonctionné comme ça pendant plusieurs années. Ça s'est développé. Il y a de plus en plus de demandes, hein, c'est logiquement. Et depuis maintenant qu'on a mis en place ce fameux nouveau RIF, on a évolué vers un dispositif de soutien qui intègre, en plus de la diffusion, une partie sur l'accompagnement. L'idée, c'est de soutenir des projets où plusieurs structures du réseau coopèrent pour développer des artistes
Et là, il y a des aides qui viennent prendre en charge des temps de résidence, des temps de formation, voilà, en plus de la diffusion que j'évoquais précédemment. Donc la procédure, pour l'instant, elle est plutôt de se faire. Enfin, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas un dispositif qui est ouvert aux artistes directement, ce sont les lieux adhérents du RIF qui ont ces aides possibles, accessibles, quand ils montent des projets, vous voyez, de diffusion ou d'accompagnement. D'où l'intérêt pour un artiste d'appartenir à un lieu, enfin de déposer. Alors, de... stratégiquement, c'est juste une évidence, et c'est ce que je dis dans les rendez-vous aussi, ah oui. C'est qu'il faut se faire adouber par un lieu. Enfin, c'est-à-dire qu'un artiste qui bénéficie d'une relation qualitative avec un lieu, que ce soit dans un dispositif d'accompagnement, ou ça porte des noms extrêmement variés, mais c'est sûr que c'est juste un plus, quoi. Alors après, il faut avoir la chance d'avoir un lieu... proche de chez soi, éventuellement, parce que ces lieux, comme tu le disais justement, une mission d'accompagnement de la scène locale. Mais voilà, c'est sûr que... Alors, des fois, ça peut être sur des affinités artistiques, esthétiques. C'est pour ça que c'est aussi en fréquentant ces lieux, leurs concerts, en nouant des relations avec des professionnels qui travaillent, qui sont d'ailleurs pas toujours les programmateurs. On peut rencontrer tout un tas de professionnels autres qui vont vous aider, qui vont flasher sur votre projet et qui peuvent dire, tiens, bah, nous, on va un peu vous aider sur telle ou telle dimension du projet pour vous faire connaître. On va parler de vous à nos collègues, comme tu disais tout à l'heure, peut-être à des professionnels du tour, du management, d'édition. D'édition. Et justement, il y a des couleurs, enfin, il y a des SMAC qui ont des couleurs artistiques ou musicales ou pas, finalement. Ouais, parce que tu dis, il y a des affinités musicales. Alors. On va dire que les SMAC ont pour mission de diffuser toutes les musiques. Ouais. Ce qu'elles tendent à faire, grosso modo, quoi. Même si pour moi, c'est juste impossible d'être compétent dans tous les domaines. Oui, une salle a toujours une couleur, en fait, en quelque sorte. Hein, alors, par contre, voilà, on a affaire à des gens en chair et en os, des programmateurs, ou dans les lieux, il y a plusieurs personnes qui programment, qui ont effectivement leurs affinités, leur culture. Leurs affinités, donc c'est bien de les connaître parce que ça permet de savoir effectivement assez rapidement les lieux où on va pouvoir nous répondre favorablement par rapport à des lieux où ça va être plus compliqué. Donc ça, c'est aussi en regardant les programmations des lieux qu'on s'en rend compte. C'est aussi à travers les échanges, comme je disais, qualitatifs quand on se déplace. Les gens peuvent vous dire, bah, écoutez, voilà, nous, par rapport à nos orientations, nos priorités, le style que vous défendez, ça va être plus compliqué. C'est aussi notre boulot à nous. C'est pour ça que les rendez-vous qu'on prend avec les artistes, on déblaye un petit peu le terrain, en quelque sorte. On oriente les gens vers les structures qui sont les plus à même, quand même, d'avoir une écoute favorable. Mais cette spécialisation, ou en tout cas cette couleur, il faut les prendre en compte, quoi. C'est vrai qu'à Bordeaux, notamment, où je suis, il y a plus de rock, on dirait. Il y a une rock school, c'est normal. Voilà, exactement. Mais c'est vrai que voilà, il y a des choses comme ça. Après, c'est assez facile aussi de regarder ce qui est programmé, ce qui est accompagné, qui sont accompagnés aussi, qui est accompagné, qui est programmé. Ouais. Voilà, c'est un travail de recherche, quoi. Après, il y a, comme tu l'as dit, beaucoup d'acteurs de notre secteur sont issus de couleurs autour, enfin, du rock au sens très très large. Bien sûr. C'est un phénomène générationnel. Aujourd'hui, il y a des nouvelles générations de professionnels qui sont beaucoup plus formés ou qu'on baigne beaucoup, beaucoup plus dans les musiques issues aussi du tournant électronique, on va dire. Électro, oui. Voilà. Et puis des gens aussi qui viennent du milieu du hip-hop, pas énormément encore, mais quand même par endroit. Donc du coup, c'est même si tout le monde a un regard très ouvert, parce que ça fait partie des valeurs du RIF, hein, cette défense de la diversité, il n'empêche que c'est évidemment plus facile de se faire entendre et de se faire adouber un petit peu par des gens qui vont être sensibles à votre projet parce que ça rentre aussi dans leur habitude de travail. Mais je crois que la notion de la proximité est aussi très importante. Comme je disais, les professionnels ont une responsabilité et un engagement de développement de la scène locale et donc ils vont être forcément beaucoup plus attentifs à des artistes qui sont dans leur territoire. La notion de territoire est très variable suivant les lieux. Hein, ça peut être un rayon de 30 km comme beaucoup plus pour certains. Voilà, donc en fait, en résumé, par rapport à ces programmateurs, il y a peut-être 25-30 personnes ou 40 en Ile-de-France, si on lève Paris, hein, qui sont importants pour le développement de carrière. Il faut connaître ces gens-là, en fait. C'est pour ça qu'aller les rencontrer sur les concerts, même si vous discutez 5 minutes, vous buvez un coup, vous allez avoir 10 fois plus d'informations que des échanges par mail ou la fréquentation d'informations en dur sur le net ou autre. Les annuaires, tu conseilles notamment sur Info Musicien, vous avez une partie annuaire, hein, c'est ça? Alors, on a une partie annuaire, mais comme je vous expliquais, on va la remettre à jour. On va la présenter sous forme cartographique.
Mais ça, après, nous, on peut informer les artistes directement suivant leur projet. Mais sinon, sur l'IRMA Work, etc., on a des… Voilà, puis de toute façon, en fait, comme ça bouge beaucoup, l'offre aussi, si vous voulez, il y a les lieux institués, bon, ben, ça ne bouge pas, ce qu'on nommait les SMAC tout à l'heure, mais il y a beaucoup de choses qui naissent, qui disparaissent, des lieux qui commencent, des bars qui commencent une prog, mais qui arrêtent, des assos qui font un truc événementiel, mais qui arrêtent, d'autres qui continuent. Donc, en fait, il faut aussi être malin, et c'est aussi en fréquentant tout un tas d'outils d'information médiatique locaux qu'on repère des choses. Des fois, il vaut mieux passer du temps à essayer de séduire un service culturel qui a une scène super intéressante à telle période de l'année, plutôt que s'évertuer à être programmé dans un lieu reconnu, parce que voilà, ça sera compliqué, quoi. Donc ça, c'est pour ça qu'il faut connaître en fait à qui on s'adresse systématiquement pour se distinguer et cibler, vraiment identifier les 20 ou 30 contacts qui sont importants pour la carrière et accessibles en même temps. Alors, ce qui est assez bien foutu, tiens, je vais prendre le MB Sanois en exemple. Effectivement, c'est qu'en général, les sites internet sont très bien renseignés et vous avez toujours la section l'équipe. Et puis, en général, là, vous avez donc les personnes avec les mails. Vous savez ce qu'ils font, voilà, et effectivement, c'est quand même assez facile de les contacter par mail. Et franchement, moi, ayant parcouru pas mal de sites de SMAC, il y a quasiment toujours l'équipe, la section l'équipe, avec quasiment 90% des cas le mail, avec le programmateur, le directeur de l'action culturelle, la médiation, etc. Donc d'ailleurs, oui, qu'est-ce qu'il faut contacter? Parce que j'ai eu des échos différents là-dessus. On me dit programmateur, et puis finalement, est-ce que c'est plus le médiateur culturel? C'est souvent l'accompagnement artistique, les studios quand il y en a. Qu'est-ce qu'il faut contacter? Ah ben, c'est le rôle des réseaux de dire telle ou telle structure, voilà, ouais, bien sûr. Plutôt intérêt de contacter. Et tu peux contacter, par exemple, il y a des artistes que je vois qui… à côté de leur projet artistique, ont vraiment un potentiel sur ce qu'on appelle l'action culturelle, donc manière de transmettre une pratique, tout un tas d'objets musicaux, enfin voilà, des façons de faire. Et donc, du coup, ils peuvent avoir très bien intéressé quelqu'un qui travaille à l'action culturelle, et pour travailler avec eux sur une action ponctuelle, ou sur une résidence, ou sur finalement un concert. Enfin, c'est pour ça qu'en fait, pour se faire identifier la fameuse carte de visite, on peut l'envoyer aux différents membres d'une même équipe. Peut-être en changeant l'objet à chaque fois, et encore une fois avec nominativement, quoi. Avec le bon prénom. Mais oui, avec le bon prénom, et puis peut-être en se faisant prescrire par quelqu'un, tiens, j'ai vu tel artiste ou telle personne qui m'a parlé de votre action spécifique. L'idée, c'est en fait comment on fait un mail qui se distingue parmi les 50 ou 80 que la personne reçoit par jour, quoi. C'est aussi ça l'idée, hein. Donc, autant on est précis, autant on est référencieux sur cette question d'où on vient et pourquoi on contacte à ce moment-là, mieux c'est, quoi. Sachant qu'après, ce qu'il faut prendre en compte aussi, c'est que, je pense notamment pour les programmateurs, ce que vous envoyez, les gens peuvent s'en faire un avis quasi définitif. Donc, si vous envoyez des choses à voir, non, mais c'est important, ou à écouter, il faut être sûr à 200% que c'est vraiment ça que vous avez de meilleur à présenter, aussi bien visuellement, parce que de plus en plus, l'identité visuelle est importante, qu'en termes évidemment d'audio. Vous voyez, c'est bon, ça aussi. C'est vrai que les maquettes aujourd'hui, les trucs un peu work in progress, c'est compliqué, hein, même pour des programmateurs ou des accompagnateurs. Hein. Bah, c'est ça. Et puis, voilà, donc, par rapport à cette question de qui contacter, ça dépend aussi de son niveau de développement. Clairement, il faut avoir conscience de là où on en est par rapport à ce que le lieu qu'on envisage programme de manière générale. Mais c'est intéressant ce que tu dis. Oui, pardon. Non, je t'en prie. Non, vas-y, je t'en prie. Tu disais, c'est intéressant ce que je dis. Non, c'est intéressant, oui, sur l'action culturelle. C'est-à-dire que moi, j'ai connu des artistes comme ça qui allaient donner des cours ou des ateliers d'écriture de chansons en prison, par exemple, etc. C'est vrai que l'action culturelle, c'est important. Aujourd'hui, on n'y pense pas toujours quand on est artiste de faire en sorte que son projet est aussi, et que son talent est aussi et un intérêt plus général, en fait. Exactement. C'est exactement ce qui… on va dire, et la continuité d'un grand bouleversement de modèle économique avec l'affaiblissement du pouvoir des objets comme les disques, par exemple, c'est le fait que tout ce qui va être la relation directe avec des publics au pluriel devient le cœur de métier de l'artiste, ou redevient le cœur de métier de l'artiste, d'ailleurs. C'est ça, ouais. Et du coup, il faut avoir conscience que dans le grand champ qu'on appelle l'action culturelle, il y a effectivement plein de propositions. Nous, on travaille sur des projets comme ça avec tout ce qu'on appelle le public sous main de justice. Donc, ça peut être effectivement incarcéré, mais aussi sous le cadre de la protection judiciaire. Ouais.
notamment avec évidemment le cadre scolaire où il y a de plus en plus d'initiatives. Ouais. Voilà. La SACEM notamment fait des appels. Voilà, et la SACEM soutient plein de dispositifs. Donc, il faut avoir conscience de tout cet univers et de tout ce milieu-là qui peut être effectivement un champ de vie et de, comment dirais-je, de production, de revenus artistiques importants. Qui effectivement peut faire partie du modèle économique, hein, parce que soyons honnêtes, au bout du compte, c'est d'arriver aussi. Alors après, chacun détermine son SMIC, hein, évidemment, ou son salaire confortable. Hein, on est d'accord que voilà. Mais en tous les cas, il y a quand même beaucoup d'opportunités pour les musiciens, les artistes aujourd'hui. Je ne veux pas rentrer dans le Emmanuel Macron et enfourcher le tigre, mais effectivement, il y a beaucoup de possibilités. L'action culturelle fait partie des choses vraiment intéressantes. Vous êtes toujours, vous par exemple, vous faites des appels à projets. Des choses comme ça tous les ans. Alors, le RIF ne fait pas directement d'appel à projet. Par contre, le RIF relaye les appels à projet portés par des institutions comme l'Éducation nationale, comme la DRAC, la SACEM, etc. Ouais. Voilà, etc. Ensuite, on a une commission, un groupe de travail Action culturelle qui réunit au sein du RIF tous les chargés d'action culturelle des lieux. Hein. Et donc on échange beaucoup notamment sur les propositions faites par des artistes, notamment des spectacles éducatifs. Oui. Voilà. Il y a de plus en plus d'artistes qui justement proposent sur la base de leur, comment dirais-je, de leur engagement propre, des sujets sociétaux importants à traiter, des spectacles qui permettent ensuite à tout le milieu de l'éducation nationale de faire de la médiation vis-à-vis des élèves. On le fait avec le spectacle Peace and Love sur le risque auditif. Il y a le spectacle La Relève là, qui est produit par une structure du réseau aussi sur tout ce qui est l'adolescence, le hip-hop, etc. Et voilà, c'est tout plein de sujets comme ça dont les artistes peuvent s'emparer potentiellement pour développer des propositions et qui permettent, pour revenir aussi à la relation avec les lieux, d'entrer dans une relation avec un lieu, pas forcément pour se faire programmer, mais pour proposer aussi un contenu pédagogique, ce qui est voilà, aussi une façon d'intéresser un lieu. C'est un mode d'entrée, on va dire. Voilà. Oui, c'est ça. On n'est pas obligé de ne rentrer que par le, comment je dirais, la grande porte et avec le tapis rouge. Un artiste, il doit aussi savoir effectivement proposer d'autres, j'avais envie de dire services un peu en quelque sorte. D'avoir d'autres propositions, on va dire. Ouais. Comme tu disais tout à l'heure sur ce qui va constituer le modèle économique de l'artiste et sa capacité à travers une variété de revenus de se faire un SMIC ou un salaire mensuel, hein, pour dire les choses, ces dimensions-là en font partie de plus en plus. Donc il faut comprendre un petit peu nous on a un projet au RIF aussi de proposer des formations, en tout cas des temps de sensibilisation pour les artistes sur qu'est-ce que ça veut dire de travailler avec le milieu pénitentiaire, qu'est-ce que ça veut dire de travailler avec le milieu scolaire ou le milieu de la santé par exemple, il y a de plus en plus d'initiatives. On va faire des rencontres, là j'en reparlerai, on vous communiquera les dates fin novembre sur la question du handicap aussi. Comment l'accessibilité et l'apprentissage voilà, pour les personnes en situation de handicap. Donc, il faut connaître un petit peu, il faut être curieux de ces environnements-là pour savoir à quel moment, effectivement, on va pouvoir, ou si on le fait déjà, si on a cette fibre, développer ce projet, quoi. C'est ce que j'avais envie de dire, ouais, c'est que c'est pas forcément non plus donné à tout le monde, tout comme un peu l'artiste entrepreneur, comme on dit, l'artiste pédagogue, on peut admettre que c'est pas forcément donné à tout le monde non plus et que c'est pas grave non plus, d'ailleurs. Alors, moi, j'ai pas cette idée-là, j'ai envie de dire que ça s'apprend. Ok. En fait, il y a des gens qui… Bon, là, ça sera un autre sujet, il faudra une autre émission. Mais... bah, écoute, on prendra rendez-vous. Ouais. Honnêtement, il y a des gens qui ont plutôt une inhibition par rapport à ça. Ouais. Une fois que l'inhibition est levée, ils se révèlent finalement très doués. Et d'autres, c'est vrai qu'on l'entend beaucoup, ça. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'on entend beaucoup d'artistes qui n'osent pas et qui se disent, qui se dévalorisent plutôt en disant, tiens, je ne suis pas capable, j'en sais pas assez, je n'ai pas assez de théorie, et qui en fait se lâchent et même parfois lâchent leur métier du coup d'artistes de scène pour devenir des profs incroyables, quoi. C'est ça, oui, ou qui se rassurent économiquement en développant des activités régulières, on va dire, de transmission, d'éducation, de sensibilisation, ce qui leur permet d'être plus soulagés sur le devenir de leur projet artistique. Ils ne sont pas à courir le cachet en permanence, quoi. Voilà, donc c'est aussi des choix de carrière. Et c'est vrai que c'est des périodes de la vie aussi, hein, pour les personnes qui sont dans les projets artistiques. Hein. Il y a des âges où on n'aspire pas forcément aux mêmes choses. Les besoins ne sont pas les mêmes. Donc forcément, il faut savoir s'adapter. Il faut savoir durer aussi. Et pour nous, c'est important d'accompagner les artistes aussi sur la possibilité de durer dans les métiers, quoi.
la durée, d'où l'intérêt d'avoir un modèle économique, parce que c'est ça en fait la vraie difficulté, je trouve, pour un artiste, c'est tout ça prend énormément de temps, on le sait, énormément de travail, ça ouais, c'est évident, ça. Mais le temps c'est de l'argent et vice versa, et en fait en attendant il faut pouvoir payer son loyer, etc., etc. Donc durer dans un modèle économique fragile, c'est très compliqué, quoi. Après, j'insiste sur le fait de la mutualisation. Ouais. Je pense que c'est des sujets que tu travailles pas mal aussi. Ouais. C'est aussi comment des artistes peuvent aussi s'associer pour engager des moyens des moyens humains qualifiés pour certaines fonctions. Je pense notamment à la communication, mais ça peut être ouais. l'administration, ça peut être plein de choses. Ou des fois, bah, notamment avec tous les dispositifs d'aide à l'emploi qui existent. Ouais. J'ai vu moi des exemples d'artistes qui sont très très bien entourés avec des gens, des jeunes professionnels qui sont en plus complètement dans le mood actuel au niveau des technologies. Et finalement, bah voilà, ils dégagent une énergie très importante parce qu'ils ont su déléguer à des gens, ils ont su trouver les moyens collectivement pour trouver des personnes qualifiées, ce que tout seul, on aura du mal en tant qu'artiste quand on est au début de carrière. Je pense que cette solution de la mutualisation, elle est sous-exploitée à mon sens. C'est vrai que dans un premier temps, on pourrait dire recherche de partenaires, mais au sens large, c'est-à-dire recherche d'une équipe, de constitution d'une équipe, quoi. Ce serait presque la première étape qu'on pourrait recommander, et une équipe qui peut être évidemment à taille humaine, et puis constituer des gens les plus proches, quoi, ou de rencontres. Ouais, ou même recruter dans le cadre d'un dispositif comme tout ce qui est autour des services civiques, tout ce qui est autour des stagiaires, ouais. tout ce qui est autour des. C'est vrai, ouais. Enfin, il y en a plein des gens qui dans le cadre de leurs études cherchent des terrains d'exploitation de leurs compétences. Ça peut être sur la com, ça peut être sur tout un tas de sujets. En plus, s'ils sont fans de musique, ils seront d'autant plus contents de bosser là-dedans que chez McDonald's. Quoique, non, mais bon. Il y a moins d'angoisse chez McDo, enfin, quoique, non, je sais pas. Oui, là. Bon, après, je pense que les gens voient très bien l'idée, quoi. Mais sauf qu'ils ne pensent pas dans ce terme-là, parce qu'en fait, on est dans un milieu qui a cultivé la singularité et l'individualisme, quoi. C'est vrai. L'artiste Exactement. Doit absolument se singulariser. Bon, bah, à l'arrivée, je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure solution. Et c'est vrai que l'artiste qui monte ne serait-ce qu'une association, le statut associatif est très simple, évidemment, à obtenir. Une asso, ça se monte en 15 minutes maintenant sur Internet. Tout ce qui est publication maintenant se font en digital et autres. J'ai halluciné, j'ai fait ça il n'y a pas longtemps, j'ai trouvé ça dingue. Tout ça pour 45€. Et en fait, avec une asso, on peut embaucher des stagiaires, évidemment. On peut faire énormément de choses, se structurer, facturer, avoir une licence d'entrepreneur de spectacle. L'asso, finalement, il y a très peu de choses qu'on ne peut pas faire avec l'asso. Et donc, une asso, dans un premier temps, ça ne coûte rien et ça permet déjà de se professionnaliser jusque même très loin. Ça permet de gérer des situations où si on n'a pas la structure morale, il peut y avoir des opportunités qu'on ne peut pas saisir aussi. Mmh. C'est ça le truc. Et de plus en plus, parce qu'on est tout se négocie, se marchande, s'échange, se vend. Et donc il faut des personnes morales, une structure juridique, j'entends, hein, pour porter ces projets. L'association reste au démarrage la meilleure solution. Ouais. Et effectivement, comme tu l'as dit, ça permet d'obtenir les autorisations pour faire beaucoup de choses très rapidement, très simplement. Et ça témoigne aussi vis-à-vis du milieu professionnel, d'un certain engagement, alors professionnalisme aussi, éventuellement au bout d'un moment. Et puis je rajoute que des groupes, des artistes qui seraient structurés en association peuvent aussi prétendre adhérer à des réseaux comme nous, parce que le RIF est un réseau de personnes morales. Ça peut être des groupements d'artistes comme on a dans les Yvelines avec Ecstatic Playground ou d'autres. Et ils font partie du coup de la vie du réseau. Et je pense que pour nous, on a vraiment besoin aussi que des artistes se structurent et viennent nous rejoindre avec des personnes plus expérimentées, non plus vieilles. Non, mais c'est un autre monde. Non, mais c'est vrai ce que tu dis, c'est que la structuration, elle est aujourd'hui indispensable. C'est-à-dire qu'effectivement, l'artiste seul, en auto-entreprise, dans son coin, etc., je pense que c'est de plus en plus difficile à tenir. Ou alors, il faut rapidement être signé par un gros producteur, une maison de disques, etc., et être salarié de son producteur. Mais sinon, effectivement, l'artiste entrepreneur avec une asso, déjà, on peut faire énormément de choses. Que je propose à chaque fois, c'est monprojetmusique.fr. D'ailleurs, j'imagine que voilà, c'est le genre de choses que tu montres aussi. Mon projet musique, ça fait partie des sites que je trouve vraiment très bien faits et sur lesquels on peut voir d'ailleurs toutes les aides et subventions qui sont proposées aux porteurs de projets. Et évidemment, ce qu'on voit aussi, c'est que ça demande une structuration, une personne morale, quoi. C'est-à-dire que des aides en direct aux artistes, je dirais peut-être à part l'aide à l'autoprod SACEM et d'autres plus ou moins détaillés ici,
Souvent avec une asso, on s'aperçoit qu'il y a énormément d'aides dispo et en asso vous pouvez être donc produire des spectacles, de produire être label aussi. Dans ce que j'ai vu pour l'instant, à part éditeur, on peut aller très loin avec une association. Et à mon avis, éditeur, ça devrait pas tarder. Oui, je pense qu'on peut. Oui, puis c'est, enfin, éditeur après c'est à titre individuel. Hein. Enfin, ça dépend ce qu'on entend par éditeur. Mais sur l'objet de l'association, c'est pas forcément l'ensemble de l'activité. Et je pense vraiment au côté collectif, en plus, oui. Où des artistes peuvent se rejoindre, créer une association qui a un objet unique, qui est par exemple l'administration d'un projet et donc la relation avec les demandes de subventions, pour pas non plus des fois se noyer. Ouais. Et, vous voyez, c'est. Donc, t'as raison. À pouvoir embaucher ponctuellement une chargée de prod, tu vois, qui va faire le boulot de montage des dossiers, etc. C'est pour ça que c'est un travail un peu fin, en fait, qu'il faut réfléchir. Mais je crois vraiment que l'association, au-delà du portage d'un projet d'un artiste, peut aussi être un lieu de convergence de 3, 4, 5 artistes qui vont se reconnaître sur un ensemble de valeurs communes qui peuvent être artistiques, mais qui peuvent être aussi humaines. Enfin, voilà, c'est sur un territoire, etc. Et on a, nous, vécu sur notre vie de réseau des histoires comme ça d'artistes qui sont structurés et puis qui ont pu vraiment développer leur projet parce qu'ils avaient compris un peu cette mécanique. Donc, évidemment, au début, il y a toujours un petit peu de paperasse, il y a un petit peu de... Il faut mettre les mains dedans, quoi. Mais je pense que le jeu envoie la chandelle à l'arrivée, quoi. Ouais, et comme tu dis, ouais, de la paperasse, après on peut toujours trouver aussi dans ses potes ou autres un qui aime la paperasse et qui s'occupe justement de tout cet aspect juridique qui est pas dingue non plus pour une association. Hein. C'est vrai que monter mon asso aujourd'hui, vous tapez monter mon asso sur Google, il y a des tutos avec tous les liens utiles, les statuts types et puis la déclaration au journal officiel. Enfin, ça va très très vite, hein, le paiement en ligne, enfin pour 45 € et puis on va ouvrir un compte en banque et c'est réglé quoi. Mais c'est vrai que comme tu disais aussi, c'est intéressant, c'est que ça donne aussi une consistance au projet par rapport aux autres professionnels. Bah, disons que ça. Après, il faut que ça soit cohérent par rapport au projet lui-même artistique, quoi. Oui, bien sûr. On est bien d'accord quand même pour rassurer tout le monde. Ce qui fait quand même la différence, c'est ce que vous produisez musicalement, on va dire. C'est le projet, ouais. Et comment les personnes en face, dans leur diversité, le reçoivent. Parce que c'est que de la subjectivité. Hein, un artiste n'est jamais objectivement meilleur que les autres. Donc, il y a vraiment ça qui prédomine, c'est-à-dire qu'il faut avoir soi-même sa propre conviction de ce qu'on défend, mais aussi il faut être capable d'entendre les feedbacks qu'on peut avoir sur le niveau, enfin là où on en est artistiquement. Je pense que c'est aussi une grande qualité aujourd'hui que d'être à la fois ouvert au questionnement, au doute, éventuellement à la critique, pour pouvoir entendre des choses. Après, on fait ce qu'on veut de toute façon, mais voilà, ça fait partie des choses qui sont importantes. Comme on voit beaucoup évoluer les formats, hein, évidemment, les line-up au niveau des groupes, où maintenant les groupes de 2 ou 3, évidemment, sont 10 fois plus diffusés que le bon groupe de rock de 4-5. Vous voyez, c'est ce genre de choses. Donc, il faut garder son identité et ce qu'on veut faire fondamentalement, mais il faut comprendre un petit peu dans quel contexte les gens auxquels on s'adresse évoluent. Et voilà. Après, on fait ses choix en connaissance de cause. Eh bien, Thierry, merci beaucoup hein, pour tous ces bons conseils et plus même, parce que c'est vrai que tu as donné des sacrées pistes intéressantes qui résument bien tout ce qu'on a déjà dit en live d'ailleurs et qui, notamment sur la façon de contacter, de se rapprocher des structures, etc. Donc, pour résumer, on pourrait dire donc leriff.org, mais on est plus sur la version pro d'infomusicien.org, c'est ça ? Voilà. C'est ça. Pour le contact avec nous, infomusicien.org. Moi, j'ai un mail, c'est Thierry, donc le prénom @leriff.org, si vous voulez aussi avoir des informations par rapport à tout ce qu'on a échangé. Aucun souci pour continuer le dialogue. Est-ce que c'est bien ça? Absolument. Eh bien, parfait. Ben, Thierry, merci beaucoup pour tous merci ces conseils. Bon, on croise les doigts pour la suite. Yes. Bonne reprise. Oui. Dis-moi. Une dernière info. Ah oui, je t'en prie, bien sûr. Le samedi 19 septembre à Mantes-la-Jolie, au conservatoire, on organise une rencontre sur crise sanitaire. Activité artistique et crise sanitaire, The Show Must Go On. C'est de 10h à 13h au conservatoire, enfin à l'école de musique de Mantes-la-Jolie, Mantes-en-Yvelines. Pour ceux qui sont intéressés, c'est gratuit. Il y aura différents professionnels pour échanger un peu comment tout le monde a vécu cette période inédite et les perspectives que ça donne. Voilà. OK, donc le samedi 19 septembre,
On a, okay, c'est, bah, sur la, tout, c'est sur Infomusicien, hein, c'est la première annonce. Hein, bah, voilà, tu oui, tout à fait, c'est sur le cadran de droite, là, effectivement. Absolument. Quand vous êtes sur le site infomusicien.org. Bon, de toute façon, il y a une newsletter aussi, hein, c'est ce que tu disais, on peut s'inscrire, voilà, à la newsletter. Si vous inscrivez sur le site, vous recevez ensuite la newsletter. Parfait. Thierry, merci beaucoup. Merci à toi. Bonne continuation et à bientôt dans la vraie vie. Avec plaisir. Salut Thierry. Bye. Ciao. Bonne soirée. Bye. Merci beaucoup d'avoir suivi cette rencontre avec Thierry Duval, donc qui s'occupe de l'action culturelle au RIF. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver toutes ces rencontres. Joe a senti la fin, là, tu vois. Sur la chaîne YouTube bit.ly/de17à18, vous y retrouverez celle notamment de Thierry aujourd'hui, qui va défiler aussi sur les réseaux sociaux. Si vous aimez ce que je fais, Tipeee avec 3 E, 1, 2, 3.com /l'atelier de Cédric. Je me suis amusé à faire la page. En tous les cas, n'hésitez pas à aller y faire un petit tour. Un grand merci à mes tipeurs, Morgane, Mathéo, Sandrine, Fabien, Sébastien, Guillaume, Bench Bay. Merci beaucoup. Et puis, donc pour cette semaine, ce sera la seule rencontre avec Thierry. Et pour une bonne raison, c'est que cette semaine, nous avons la formation Tempo, formation de 3 jours avec tourneur, éditeur, manager, producteur, attaché de presse et spécialiste des aides et organismes, comme on l'a un peu évoqué. Donc, cette formation, 9, 10, 11 septembre, du coup, demain, c'est Paris et jusqu'à samedi. Voilà. Si vous voulez d'ailleurs des infos sur la formation Tempo, vous avez le fabuleux site internet qui est www.tempoformation.com. Voilà, il y a même un petit chat sur le site qui fait que je peux y répondre en direct sur mon téléphone. Donc, vous m'aurez en direct. Et donc, pour finir, aujourd'hui, on a parlé, allez, un peu de tour, donc une jolie petite vidéo sur le tour. On se retrouve la semaine prochaine. Donc, la semaine prochaine, le programme, si tout va bien, je peux vous en dire un peu plus. 70e invité, Eric Van de Porter, on va parler export, mais pas que. Le mercredi, Rémi Marandola, là, on va parler musique et marque. Et le jeudi 17, avec Marie Menini de DeFi Music. Donc, nous aurons 3 rendez-vous la semaine prochaine, lundi, mercredi et jeudi. Donc, ne pleurez pas, c'est tout pour cette semaine, mais vous retrouverez toutes ces rencontres sur la chaîne YouTube. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée et vous dis à très bientôt. Bye bye. We're living.